Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau leak de Metheny cette fois-ci, que j'ai piqué dans la version live de Cantaloupe Island avec Herbie Hancock, Jack DeJohnette et Dave Holland, que je vous encourage à aller écouter en fait. Donc dans son chorus, à un moment donné, il fait un plan out qui m'a un petit peu interpellé l'oreille et je l'ai replacé dans un contexte de Do mineur dorien. Le backing track que j'utilisais dans la démo, c'est un genre de So What en fait. Do mineur dorien vers Ré bémol mineur 7 aussi dorien quoi. Donc je vous mettrai tout ça en description et on y va pour quelques explications. Donc déjà la longueur de la phrase, elle fait deux mesures et normalement elle commence sur le quatrième temps et arrive sur le quatrième temps de la mesure 3 on pourrait dire. Donc ça veut dire que ça tombe juste. Donc vous pouvez aussi le placer sur le premier temps, le deuxième temps ou le troisième temps et à chaque fois que vous arrivez sur le même temps par lequel vous avez commencé finalement. Donc là, on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc déjà au début, moi je vois ça comme un arpège de Si bémol majeur 7. Alors comme on est en contexte de Do mineur dorien, qu'est-ce que l'arpège de Si bémol majeur 7 nous donne au niveau de l'accord en termes d'intervalle? Donc ben, en fait, le La, ça va être la sixte majeure par rapport au Do, hein, toujours. Septième mineure. Neuvième. Et le Fa, c'est la onzième. Donc en fait, grâce à cet arpège, on va avoir toutes les extensions du mode dorien. Donc c'est très intéressant. Et là, ça y est, on part out. Et on part dans l'espace, quoi. Je vous préviens, c'est vraiment, ça tord l'harmonie, c'est chouette, quoi. Vous voyez, regardez bien les doigtés que j'utilise. Hein. Donc il y a beaucoup de slides notamment. Là, j'ai pas noté toutes les notations de phrasé là, sur la tablature, mais bon, je pense que vous allez les choper facilement. Et là, il va encore tordre l'harmonie encore plus. Ok, donc ça, c'est vraiment des... on pourrait dire des chromatismes à la Metheny typiques. Déjà, rien que ce petit bout out, il est vraiment chouette. Donc, une fois qu'on va arriver là, on va récupérer en fait la tonalité ou la modalité, si vous préférez. Parce que c'est ça qui est important quand on essaie de faire des plans out. Faut pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, quoi. Faut peut-être commencer in, partir out, pour revenir après dans les accords quoi. Sinon si vous maîtrisez pas la résolution, ben en fait ça tombe à plat et c'est pas cool quoi. Donc le commencement out, il est là en fait, hein. Voilà, et quand on récupère le sol ici, c'est là qu'on va revenir in finalement. Et donc dans le plan original, il n'y a pas ça, mais ça c'est plus un cliché dorien que j'ai rajouté pour stabiliser harmoniquement finalement le plan quoi.
pour le réadapter, hein, parce que moi je me suis servi de ce plan pour l'adapter dans un autre contexte, quoi. Donc peut-être je peux vous le refaire encore, hein, avec le métronome, double croche. Alors je vais partir sur le premier temps avec vous à 64 BPM, double croche, puis après en croche pour que ça soit plus simple. Peut effacer une note au niveau de l'attaque, c'est pas facile toujours de jouer lentement comme ça, quoi. Donc en tout cas, ce plan, il est très très chouette à rajouter à votre vocabulaire si vous voulez commencer à tordre un peu de l'harmonie. Donc comment je vais appeler cette vidéo, je sais pas moi, chrométhénisme ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà, bon, on se retrouve bientôt pour un nouveau plan. À bientôt.